j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez demandé énormément depuis que j'ai ma chaîne. C'est mon beauty tour, dont je vous en avais fait un, je crois, l'année dernière. Si je le retrouve, je vous le mettrai en barre d'infos, ainsi que ma collection make-up de l'année dernière. Mais j'ai refait toute la pièce, toute l'organisation, enfin j'ai refait, par le biais de cette vidéo, je remercie en même temps mon papa ainsi que ma maman, puisque c'est mon père qui a fait tous les travaux dans cette pièce, qui a recollé le papier peint, qui a peint et qui a posé du balatum. Donc ma pièce fait à peu près 5-6 mètres carrés je crois, elle est vraiment toute petite, je ne sais pas si vous vous rendez compte quand je filme, mais il y en a qui me disent qu'on n'a pas l'impression qu'elle est si petite que ça. Du coup, je voulais vous parler un petit peu avant de vous faire ce beauty tour. Sincèrement, j'en ai vraiment pas eu pour très cher. Le papier, je l'avais acheté chez Bricomarché lors d'une promotion. C'était 15 euros le rouleau et un rouleau m'a suffi. C'était des très très gros rouleaux. Je sais plus trop, il y avait combien de mètres. Je sais plus, mais c'était des assez gros rouleaux. Et il m'en a suffi d'un. Donc déjà, j'en ai que pour 15 euros. Ensuite, la peinture, par contre, j'avais pris la moins chère, 10 euros, les 5 litres, je crois. Mais elle était vraiment pas terrible, elle recouvrait pas assez. Donc, ensuite, on a été en racheter et le pot a dû nous coûter 20 euros. Donc, on va dire que j'en ai eu pour 30 euros de peinture. Donc, ça fait 45 euros. Et ensuite, on avait juste à racheter un sol parce que c'était de la moquette. Et la moquette, moi, j'en peux plus de cette moquette. Du coup, on a commencé par cette petite pièce et chez Bricomarché, on a pris le moins cher. Mais sincèrement, c'était le plus joli, je trouvais. Et il allait vraiment dans les tons que je voulais puisqu'il était à 9,90€ le mètre carré. Et il est façon parquet et façon gris un petit peu. Donc, ça fait hyper joli. Il est gris noir. Donc, c'est très très joli. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc, sincèrement, on en a eu, on va dire, pour une petite centaine d'euros pour refaire cette pièce. Donc je trouve qu'une petite centaine d'euros, sincèrement, ça va, puisque tous les meubles, tout ça, c'est ceux que j'avais avant. Certains accessoires, je les ai repeints en noir ou en or, donc j'ai pas eu à racheter de décoration. Donc voilà, donc je sais que mes parents regardent mes vidéos, donc je les remercie énormément pour le travail qu'ils ont fait, surtout mon père, il y a passé tout un week-end à faire ça, donc merci beaucoup papa et merci maman puisque c'est elle qui m'a racheté pas mal de petits trucs. C'est eux qui m'ont offert le sol et ainsi la chaise transparente que vous allez voir. C'est eux qui m'ont acheté ça. Donc merci beaucoup, vous êtes trop gentils. Donc voilà. Donc maintenant je vous laisse avec le beauty tour et on se retrouve juste après. Donc on va commencer avec l'entrée de la pièce. J'espère que je ne bougerai pas trop sinon désolée. Donc en fait c'est une porte tout simplement et dessus j'ai collé un sticker où c'est écrit comme vous voyez mon petit coin de paradis. Donc c'est un sticker que j'avais acheté chez Centracor pour 3 ou 4 euros et c'est tout simplement à coller et c'est repositionnable donc c'est parfait. Donc après on va rentrer. Et voici ce qu'on voit dès qu'on rentre dans la pièce. Hop, comme ceci. Je vous fais une vue d'ensemble. Donc là, c'est la fenêtre. Hop, je vous fais voir. Donc, on va commencer par le côté droit quand vous rentrez. Donc, je vais essayer de me positionner au loin. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, en fait, au niveau de l'entrée, j'ai mis pas mal de petits cadres noirs et or. Là, j'ai mis la petite bonne femme, mais sincèrement, je ne pense pas que je vais la laisser là. Je ne pense pas que je vais même la laisser dans cette pièce-là. Mais j'ai toujours rien mis dans ces cadres, bien entendu. Si ma maman me regarde, elle va me dire qu'elle le savait, que j'allais rien mettre tout de suite. Et là, sur le pan de mur, en fait, j'ai mis un sticker que j'avais acheté chez Maison du Monde en solde, là, lors des dernières soldes. Là, c'est un cube acheté chez But avec en fait tous mes rouges à lèvres. Je ne vais pas vous faire voir ma collection make-up. Ça, je vais vous la tourner très très prochainement. Je pense que la semaine prochaine, vous l'aurez. Donc, vous verrez tout ce que j'ai en maquillage. Juste là, ce sont tous mes pinceaux propres. Et dans la petite boîte Birchbox à tiroir, ce sont mes kabuki tout simplement.
Là, vous avez mon bureau coiffeuse, hop, où j'ai installé deux étagères que j'ai repeintes. Je les avais achetées chez Action, elles étaient blanches et je les ai repeintes avec une bombe noire achetée aussi chez Action. Donc, j'ai mis ça là pour mettre mes vernis parce que j'en ai donné pas mal à Émilie parce que ça ne me servait pas. J'en ai donné à Clara, à ma petite nièce. Et donc là, on est sur le bureau. Je suis désolée, je pense que je bouge énormément. Je suis vraiment désolée. Donc, sur mon bureau, dans le petit pot en verre, ce sont des boules de bain que j'ai achetées à Londres. Ensuite, dans le plateau noir et blanc, le plateau noir et blanc, je l'ai acheté à Action et je l'ai repeint pareil, le tour en noir. Donc, ce sont mes produits de soins que j'utilise tous les matins et tous les soirs. Dans le petit panier gris, ce sont toutes mes éponges, mes baumes à lèvres et mes crèmes pour les mains. À côté, il y a une petite assiette en forme d'étoile, c'est où je mets mes bijoux de valeur en fait. Donc voilà. Une petite boîte à mouchoirs et une boîte achetée chez Action aussi pour mettre tes cotons-tiges spécial make-up. Donc voilà. Et là en fait, c'est ma chaise qui est totalement transparente. Je vais essayer de vous la montrer de plus près. Hop, comme ceci. Que j'ai acheté chez Butte aussi pour une trentaine d'euros. Et j'ai rajouté un petit coussin pour que ce soit plus confortable. Acheté aussi chez Butte pour une dizaine d'euros. Donc le bureau vient de chez Ikea. Je l'avais acheté 60 euros. Il est hyper pratique. Il a un grand tiroir, un petit et un placard. C'est pratique. Dans le grand tiroir, je ne vais pas vous l'ouvrir parce que c'est pas mal de produits pour de prochains concours. Dans le petit, c'est tout simplement des pochettes et des, comme vous voyez, des coupons de réduction pour mes pinceaux. Donc voilà. Juste à côté du bureau, en fait, quand on tourne un peu, j'ai remis un autre cube que j'avais acheté aussi chez Butte, puisque c'était vendu par 3, donc là c'est le moyen, où j'ai mis tous mes rouges à lèvres en stick en fait. Juste en dessous, ce sont mes produits terminés. Dans le petit carton jaune, la poste, ce sont des produits que j'ai à vous présenter, que j'ai acheté sur Beauté Privée, que je vais vous présenter très très vite quand j'aurai reçu le reste de ce que j'avais acheté. Et là, ce sont, pardon, ce sont des bougies terminées. Et donc, je compte bien vous faire un petit DIY avec ces bougies terminées. Ensuite, quand on continue de tourner, on a la fameuse commode Alex de chez Ikea, qui est hyper pratique avec tous ses tiroirs. Mais comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous les ouvrir, je vous les ouvrirai dans une prochaine vidéo. Juste au-dessus, j'ai placé un petit plateau miroir que j'avais eu chez Action et que j'ai repeint tout simplement le tour en or avec une bombe pareille achetée chez Action. Ensuite, quand on tourne un peu, hop, j'ai tout simplement un cadre photo que j'avais acheté aussi lors des soldes chez Maison du Monde. Là, j'ai le dernier petit cube en fait qui allait dans le lot de 3 chez Butte. Je crois qu'il est vendu 16 ou 19 euros, je crois, les 3. Où j'ai mis toutes mes boucles d'oreilles, toutes mes puces en fait. Et en dessous, un petit canapé qui m'a été offert par une amie collègue pour mon anniversaire. Et dedans, j'ai mis tout simplement, si j'arrive à vous l'ouvrir, hop, j'ai mis tout ce qui est échantillon de parfum. Je suis désolée si vous avez envie de vomir. Là, j'ai mis une petite boîte Maison du Monde, pareil, achetée lors des soldes. Là, c'est une petite commode, pareil, que j'avais achetée il y a très très longtemps, en fait, pour notre salle de bain, mais on s'en sert plus. Je l'avais achetée à la foire Fouille, et ça tombe bien parce qu'elle est or et noire. Et donc, là, c'est un. Le cube noir, c'est un porte-bougie qui est énorme, c'est une lanterne que j'avais achetée chez Action pour 9 euros, je crois. À côté des petites bougies Yankee Candle, et derrière, c'est mon présentoir à bracelet, tout simplement, que j'avais acheté chez Amazon. Hop, quand on tourne un petit peu, hop, vous voyez, il fait trop beau aujourd'hui. C'est mon miroir que j'ai acheté aussi chez Ikea pour 20 euros, et lui, je sais qu'il y a encore. La petite guirlande, je l'avais achetée chez Primark lors de nos vacances à Marseille.
Au-dessus, j'ai mis des petites bougies Bath & Body Works et une autre petite boîte Maison du Monde. Et juste en dessous se trouve une petite commode de chez Action que j'ai acheté 20€ avec un présentoir à collier où je n'ai pas mis de collier vraiment. Là, je ne sais pas trop ce que je vais mettre comme collier, ce que je vais vous faire voir après, où est-ce que je les mets. Et juste là, c'est le pot où je mets tous mes pinceaux sales. Donc, comme vous voyez, il n'y en a pas trop pour le moment, puisque je les ai lavés il n'y a pas longtemps. Et ce qu'il y a dans les tiroirs, je ne vous les montre pas maintenant, puisque je vous montrerai ma collection make-up très rapidement, promis. Donc là, c'est le mur, puisque sur ma porte, j'ai tout simplement un miroir que je vais vous montrer, avec un joli cadre acheté chez Action aussi, chez Maison du Monde, qui est dans les mêmes tons que ma pièce et que j'avais acheté lors des soldes de cet hiver. Et donc en descendant, c'est tout simplement un miroir porte-bijoux qui est juste hyper pratique. Donc comme vous pouvez voir sur la petite étagère, j'ai mis mes grosses boucles d'oreilles et ensuite tous mes colliers fantasy achetés dans les boutiques style Camailleux, CA ou encore sur AliExpress, Amazon. Donc voilà, pourquoi aussi je ne mets pas mes bijoux en fait fantaisie sur ça. Je préfère me mettre mes colliers de valeur et pareil dans le petit tiroir. Donc je vais vous laisser avec le tour de ma pièce en musique pour que vous ayez une petite vue d'ensemble et je vous retrouve juste après. J'espère que ça vous aura plu. Comme je vous dis dans la vidéo, ma collection make-up arrive dès la semaine prochaine et je pense que ce sera une vidéo qui va durer une éternité puisque j'ai énormément de choses à vous montrer. Je pense que ma pièce est assez bien rangée pour vous montrer tout, mais j'attends la semaine prochaine parce que là, sincèrement, j'ai pas trop le temps cette semaine. Déjà, je suis très fière puisque j'aurai réussi à vous tourner cette vidéo. Donc voilà. Je vous envoie plein de bisous, j'espère que vous allez bien. Ce week-end, je vais tourner pas mal de petites vidéos plutôt sympas que je vous parle depuis un moment. Donc dites-moi en commentaire si vous allez trouver les vidéos que je vais tourner en sachant que je vois Angélique ce week-end. Donc normalement, vous devez savoir de quoi je parle. Donc voilà, je vous envoie plein de bisous, je vous dis à dimanche et d'ici là, passez une très bonne semaine. Bisous les filles.